c'est un exemple type d'un chien qui a un handicap et qui n'en a pas conscience. Elle le vit très bien. C'est une petite chienne qui est pleine de vie. Elle adore aller se promener, elle adore cohabiter avec d'autres chiens. Et c'est un petit peu la mascotte du groupe maintenant, avec son petit chariot à roulettes. Au milieu de tous les chiens qui, eux, n'ont pas de soucis, elle vit sa petite vie de chien normal. Actuellement, étant en contact avec plein d'animaux qui souffrent de handicap, je pense que l'ignorance du grand public, c'est de penser que ces animaux souffrent, sont malheureux, ont conscience d'être handicapés, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est nous, avec nos yeux d'humains, qui rendons ça si compliqué, alors que eux, en tant que chiens, ils n'ont pas conscience qu'ils sont handicapés, ils sont pleins de vie. Et ce sont de vraies idées reçues de penser qu'un chien handicapé mérite tout simplement d'être euthanasié parce qu'il a plus sa vie de chien, c'est totalement faux. En tant que chien, ils sont tout à fait capables de surmonter ce handicap. Et la chose principale, hein, c'est qu'elle ne souffre pas du tout de son handicap. Un petit peu de gestion au quotidien, forcément, puisqu'elle est incontinente, donc elle porte des couches. Il faut l'aider à vider sa vessie assez régulièrement pour qu'elle ne fasse pas d'infection urinaire ou autre. Et elle n'a développé aucun souci de comportement. Elle est à l'aise dans toutes les situations. Elle apprécie qu'on s'occupe d'elle au quotidien, qu'on lui fasse tous les petits soins, qu'on l'habille, qu'on lui mette ses petits shorts. Elle se prête totalement au jeu.